Après avoir manqué quelques approches finales en 2017, je me décide de faire appel à mon bon ami Réal Landlois pour qu'il nous aide à corriger cette facette. Depuis, ça doit faire 7-8 ans que j'ai changé. Je donne mon cours, mais je fais pratiquer tout le monde. Quand je fais la pratique, je le corrige à mesure. Fait que le taux de succès, il a remonté énormément à cause de ça. Parce que là, tu vas savoir, tu sais quoi faire. Puis là, tu arrives dans l'orignal, mais tu ne l'as pas vraiment pratiqué. Tu comprends? Fait que là, tu te poses la question, puis des fois, ça te fait manquer un ou deux orignales avant de trouver la bonne méthode. T'sais. T'sais, c'est quand tu écoutes quelque chose, oui, mais il y a des gens qui sont auditifs, mais d'autres sont visuels. Fait qu'en faisant ces deux-là ensemble, ben, ça marche même. Le taux de succès est vraiment très, très fort. Là, on a fait un scénario tantôt, on a marché en fait. Mais qu'est-ce qui se passe à cette heure quand tu marches comme ça? À un moment donné, ma vie, il arrive quelque chose, ça fait... Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. Ouais. Donc, ce fut gonflé à bloc que nous prenons la route pour percer Gaspésie pour notre sixième chasse à l'orignal. Il a tout un beau humilité ici. À Carl en montant que ça serait notre semaine de chasse serait comme le chemin de Compostelle. Ben c'est pas mal ça. On passe par toute la gamme des émotions. Après 4 jours de chasse, sans trace, sans réponse, sans mouvement, sans rien. Finalement ça a marché. Pour finalement qu'ils nous cernent et qu'on se fasse sentir. C'était décevant, on est frustrés. Un matin, il mouille, on décide de ne pas aller à la chasse. On est dans un petit creux de vague. Le chemin de Compostelle, ça fait ça.
Ben, c'est ça qu'on est en train de faire. Puis on va revenir fort. Ouais, j'ai une question. Pour prendre cette décision-là aujourd'hui de ne pas aller à la chasse, ne doit pas avoir été facile. Non. Non, on avait le goût d'aller à la chasse ce matin parce qu'on avait manqué une chance hier, mais de un, on va être tout trempé pour faire sécher notre stock. De deux, on les entend pas. Ils nous entendent moins. Ils nous entendent pas. Non, on recharge des batteries à matin. Même si on a eu juste une chance depuis le début, puis c'était hier soir, ça va à peine. Carl fait le pas. On recharge les batteries, puis à ce soir, on retourne à la chasse. Comme on dit, on tuera pas notre spot. On brûlera pas notre spot. Oh, hey, j'en ai gagné. Oh, oui, c'est ça. Là, vas-y. Un. Ouais, c'est ça. Roche, je fais des sous. Oh!
Carl va aller partir la pompe. Oui. Je dis au gars, on part, écoute, on va commencer à chasser là. Je me suis en allée, j'ai monté là, j'ai même pas fait de la femelle, j'ai fait deux cales de bas. Tu l'as fait une fois? Il est rentré dessus. Il défendait sa femelle. Puis après ça, on a entendu. Elle miaulait un peu. Là, je fais un peu de femelle, il descendait plus. Asti, là, j'ai dit, il s'en allait de côté. J'ai dit à Pascal, on est en train de le perdre. J'ai dit, on va foncer dessus, on est en train de le perdre. J'ai dit, suis-moi de proche. J'arrive pour m'en aller. Il est là, droit en face de moi. Ah ben, tabarnak. Là, au début, je pensais que c'était une femelle. Je jouais une petite corde. Ben, collé, j'ai dit à Pascal, bouge plus en tout. Je t'en ai rien. Ma palette de même. J'ai tassé la branche en avant de lui. Il y avait une branche. J'ai tassé la branche en avant de lui. Tout. Start. Play on the table. Non, pas ça. Play go. Go! On dit, insulé, ouais, il est comme bon enceinte. Yo! Tu dis mon tête, ouais, c'est ça. Tu dis mon tête.